Mais comment ça, tu veux arrêter de parler? Je veux arrêter de parler. Mais pourquoi? Parce que je dis énormément de conneries. Quand je parle, ça m'empêche de réfléchir. Ça bloque mon flux pensif. Mais c'est pas un peu exagéré? Oui, tu pourrais par exemple réfléchir avant de parler. Ah mais ça, j'y arrive pas. Je me jette toujours à corps perdu dans la conversation. Et comme je dois être un peu con, je dis des conneries. J'ai pas assez pensé pendant ma croissance. Et maintenant, voilà. Parce que j'aime bien donner le change quand on me parle. Et parfois, il se trouve que je dis un truc intelligent, sans le faire exprès. Et là, bam! J'ai l'air d'un putain de cerveau. Surtout quand ça arrive en début de discussion. Parce que je sens naître un complexe dans les yeux de mon interlocuteur, un complexe d'infériorité. Mais quand ça arrive, je suis incapable de m'arrêter à ça et de me barrer. Alors je continue. Et la connerie réapparaît et finit par tout emporter sur son passage, comme un torrent de merde. Et quand il y a de l'alcool, je vous raconte pas. Et il y a souvent de l'alcool. Bah t'as qu'à pas boire d'alcool, au moins. Oh mais ça, j'ai pas envie. Le silence, c'est ça le truc. Les gens pensent que tu sais pas quoi dire parce que t'as quitté depuis longtemps la sphère étriquée de leurs petites préoccupations, de leurs minuscules questionnements. Et si en plus t'as l'air bourré, ils se disent que t'as bu parce que tu souffres de ta supériorité, de ta grandeur, de ta hauteur, parce qu'elle te rend seule. Et pourquoi tu veux avoir l'air intelligent à ce point-là? Mais parce que le pouvoir, la liberté, c'est ça qu'offre l'intelligence. La vraie intelligence, oui, celle qui se révèle. Pas celle dont on se donne des airs en plissant les yeux ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment un très très joli petit musée. Allez-y, une. Il y a vraiment des belles expositions. Puis il y a le musée permanent, mais après, t'as des super expos d'artistes contemporains en sous-sol ou à l'étage. Ah, mais je crois que je l'ai vu en photo, peut-être. C'est une grosse. Ça fait comme un diamant. C'est un architecte asiatique qui l'a fait. Ça se reflète sur un petit plan d'eau, juste à côté du parc Phoenix. Vraiment à voir, quoi. Ah, ouais. Une fois, comme vous n'êtes pas très loin. Bah oui, on a prévu de descendre dans le sud en plus dans pas longtemps, donc... Ça va, Jean? Ça va? Ça vous intéresse, Jean? L'art contemporain. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Pourquoi tu dis rien, là? Ok. On va passer au fromage? Eh bah, volontiers, oui, un petit fromage. Votre fromage, Jean? Mais qu'est-ce que t'as là? Pourquoi tu fais le débile? Parle! Elle a l'air intelligente, ton copain.